L'environnement de travail, c'est l'ensemble des éléments matériels et humains susceptibles d'influencer un travailleur dans ses tâches quotidiennes. Tous ces éléments, horaires de travail, sécurité, hygiène, ambiance hiérarchique, ont un impact sur le bien-être des salariés et donc sur leur capacité à mener à bien leur mission. Imaginons une première situation. Dans cet atelier, on travaille dans le bruit et la cadence de production engendre stress et désorganisation. Fatigué par sa charge de travail et par le manque de sommeil, le chef d'atelier falsifie un document pour gagner du temps et ne pas avoir à tout refaire. L'opérateur à ses côtés le voit faire mais n'ose rien dire de peur des représailles. Le client s'en aperçoit un jour lors d'un audit, annule sa commande grâce aux clauses contractuelles. Quelques mois plus tard, l'entreprise ferme par manque de commandes. Imaginons maintenant la même scène, dans cet environnement beaucoup plus calme et serein. L'ambiance de travail résulte énormément des conditions environnantes. Là, grâce à la bonne communication au sein de l'équipe, l'opérateur témoin ose dire à son responsable que son acte peut certes lui faire gagner du temps, mais peut avoir de graves conséquences. Le chef d'atelier prend donc le temps de refaire ses documents et toute la chaîne y gagne. La performance humaine a des limites et peut très vite être influencée par de nombreux facteurs externes. Pour ne pas risquer de graves conséquences, comme le retrait de la certification ou le licenciement, il est primordial de privilégier une communication saine et de respecter les règles et les procédures. De plus, si l'on est témoin de malfaçons ou de négligence, on se doit de donner l'alerte pour ne pas mettre en péril toute la chaîne de production.